Réorganisation, redynamisation sont les maîtres mots de la tournée de mobilisation de 3 jours entamée en février dernier, basée à Koulibaly dans le département de Ouangoloudougou. Le délégué départemental du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a visité successivement les localités de Torla, Borodougou, Kawala, Mangandougou, Zanapledougou pour galvaniser les partisans du PDCI. De ces échanges avec les chefs de village, les délégués des sections du parti l'ont retient un seul message, garder l'espoir. Nous avons rallumé la flamme du PDCI RDA dans le département et donc demandé à tous les militants de se rassembler autour du chef, le président Aimé Henri Konabédié, qui a gagné le 12e congrès du PDCI RDA, le congrès du renouveau, du rajeunissement et de la renaissance. Entretenir la flamme du PDCI dans le département de Ouangoloudougou passe par la formation des militants. C'est en ce sens que des jeunes ont été formés aux valeurs du parti. D'autres membres ont été félicités pour leur fidélité. Nous avons invité les populations à soutenir le gouvernement, n'est-ce pas, en prenant des initiatives sur la réconciliation, la cohésion sociale et la nécessité de vivre ensemble, mais surtout en contribuant à la production nationale afin que ces populations prennent leur part dans le développement économique amorcé. Toutes les visites effectuées dans le département de Ouangoloudougou se sont déroulées dans une ambiance de fête.